Et voilà, salut, heureux tout le monde, on se retrouve sur No Man's Sky pour la suite de nos aventures. On va améliorer cette exocombinaison, essayer de revendre des trucs, et puis s'intéresser donc à cette troisième étape de l'expédition Omega. On a fait les photos lors de l'épisode précédent. Et maintenant il faudrait qu'on revende des trucs de contrebande. Déjà, est-ce qu'on peut revendre des trucs tout court parce que on n'a pas nécessairement beaucoup de place. Non. Ok. Bon. Hop. On va retourner dans le vaisseau. Donc il nous faut visiter un système hors la loi. Installer un scanner d'économie ou de conflit pour localiser les systèmes hors la loi. C'est simple, mais on n'a pas de scanner, nous. Unité de combat de flotte récupérée. Une amélioration de cargo. Amélioration de cargo également. Est-ce que dans notre exocombinaison, un lot de câblage archivé, gna gna. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, mais c'est le bouclier qu'on a enlevé. Voilà. C'était quoi ça, pardon? Raffinerie personnelle, on peut la vendre. Paquet suspect, je ne sais pas ce que c'est. C'était ça. Souffle destructeur, mais on n'a pas envie. Qu'est-ce qu'on a à mettre là? Système de camouflage, on s'en fout. Lunettes de combat, on s'en fout. Le scanner. Non, il faut qu'on appelle l'anomalie. Et on va acheter les plans des scanners de conflit et. Conflit économie. Peut-être juste économie parce que les conflits. Allez, laissez-nous entrer, s'il vous plaît. Ok. On a besoin d'aller où? On a besoin d'aller là-haut. Ok. En face. Et ensuite, c'est sur le vaisseau, donc tout de suite à gauche. Voilà, recherche de vaisseau, il nous faut ça. Scanner de conflit, on nous dit. Mais on va aussi acheter l'autre. Scanner d'économie. Le troisième, c'est quoi? Scanner. Ah non. Déflecteur d'analyse de cargaison, c'est quoi? Déployez-le à partir du menu rapide. Pendant qu'une analyse est en cours. Attention, le brouillage n'est pas efficace à 100%. Ah, c'est pour brouiller quand les autorités nous inspectent. Ok. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Ça, éventuellement, mais bon. Ça pour sauter plus loin. Amélioration de combinaison, c'est oui. De temps en temps, on me propose ça. Allez, hop.
Voilà, on va installer ça dans le vaisseau et puis on est reparti. Donc on veut quoi le scanner? Scanner de conflit avec un cerveau marcheur ou scanner d'économie avec 5 microprocesseurs. On va plutôt faire ça. Mais... Vous êtes gentils, les cerveaux de marcheurs. Hein. Donc, il nous faut 5 nanotubes. 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, tiens, toi, pendant qu'on y est, tu vas pouvoir transformer tout ça. 5 nanotubes pour faire 5 microprocesseurs. Ensuite, il nous faut quoi? Un câble. Donc il faut qu'on aille acheter ça à la station. Qui se situe juste en face. Pareil avec votre scanographie hostile là. Ah pardon, je vous ai laissé la pause. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voulait ici? Ah oui, on voulait de l'autre côté les câbles. Câblage pour combien? Pour 2 300 000, on pourra en acheter 33. Peut-être s'en acheter qu'une dizaine, ce sera très bien déjà. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose? Non, toujours pas. Ensuite, vaisseau. Hop, ça c'est fait. Toi tu veux du déutérium, alors est-ce qu'on en a là? Non. Il y a des vaisseaux, enfin, il y a un vaisseau. On va aller voir si lui il en a peut-être. Il y a de la dioxyde, ça peut nous intéresser. Attendez, dioxyde. Ça peut nous intéresser donc. Et c'est tout. Il n'y a pas un autre vaisseau. Non. Bon, c'est pas grave, on a ce qu'il faut. Donc, direction carte galactique. Avec notre scanner. Mais là, on sait pas si c'est... Quoi, est-ce qu'on reconnaît un système hors la loi là? Générateur à indium requis, ok. On va aller là, on va bien voir. Hein.
au pif. Parce qu'ils nous ont dit dans la quête, on peut faire au choix l'un ou l'autre. Il faudrait pas qu'on ait à faire que le scanner de conflit. Mais finalement, ça pourrait bien arriver quand même. Auquel cas, il nous faut un cerveau de marcheur. Alors, expérimental, machin, niveau de conflit léger. À aucun moment on nous dit que c'est un système hors la loi. Attendez, là on l'a pas scanné. Ils veulent qu'on retourne là. Est-ce que celui-là, c'est un système hors la loi peut-être? Juste on le sait pas. Non. Système hors la loi, c'est pas ceux avec les bases rebelles là? Les bases rouges et noires. Non, je pense que ce système-là, si on nous l'indique, c'est parce que c'est là où on doit revendre les trucs. Mais on va devoir se déplacer ailleurs pour aller chercher les trucs. Donc on va aller, chercher un cerveau de marcheur. Il est possible que ce cerveau de marcheur, niveau de conflit turbulent, ok. Il est possible que ce cerveau de marcheur, on le trouve grâce à ceci. Où est-ce que c'est? Grâce à ça, la carte d'artefact, non. Exocombinaison non plus. Non, je croyais que c'était un truc sentinelle, mais pas du tout. Bien. Bien. C'est un peu galère cette... Alors ce qu'on va faire, bah, c'est ça, on va virer le scanner d'économie. On va le stocker dans la combinaison. Dans le vaisseau, on va réinstaller un scanner de conflit. Ok, mais il nous faut un cerveau de marcheur. Donc ça, cerveau de marcheur. Cerveau de marcheur. Bon, hop. Curiosité, composant d'artisanat peut-être. Non, carburant et utilitaire. Non plus. Matériaux bruts exotiques. Non plus. Marchandises exotiques. Cerveau de marcheur. Épinglage non disponible. Une lueur violette, gnagnagna. Circuit, ouais. Comment on trouve ça? En éclatant des sentinelles, quoi. Activité sentinelle intense.
c'est parti pour... pour aller éclater des sentinelles en boucle. Jusqu'à ce qu'on ait un marcheur, mais... ça te paraît bizarre. Hein. On va peut-être aller à la colonie, là, elle est où ? 16h, elle est loin. 5h. 5h, c'est moins loin. 15h. 1h, voilà. C'est 1h, mais quand même. Donc on va sortir de l'atmosphère, se dépêcher. Voilà. Parce que j'aurais aimé éviter de nous-mêmes créer, enfin d'avoir à nous-mêmes créer une colonie, etc. Si on peut juste se servir de celle des joueurs, ce serait bien. Planétaire détecté. Ça, tu l'avais en poste vulnérable. Alors, lui, il veut nous parler, ok. Pose des questions sur le signal de détresse. Les sentinelles sont arrivées. Elles sont là. Elles sont où ? Elles sont où ? On les voit pas. On voit bien qu'on nous tire dessus, mais... C'est quoi, il y a du camouflage ou bien... c'est juste le bug ? Qui répare là-haut ? Au secours. Mon bouclier, non ? Ah, ça y est, les bâtiments. Merci. C'est bien plus cool avec des bâtiments, les colonies. Qu'on peut aller se cacher dedans. Voilà.
Ça y est, on les voit. Il faudrait qu'il y en ait une qui vienne se perdre avec nous dans la... Sont pénibles à se réparer entre elles. Là. Bouclier désactivé, très bien. À quel endroit on répare notre bouclier là? Il est à 100% le bouclier, je comprends pas. Pas. Notre bouclier est à fond. Pourquoi le sodium est là-dedans? Bon, en plein combat, on est en train de faire ça. Elles se réparent toutes les unes les autres, c'est un enfer. Ok, bon, le décès. Ah là là, ce jeu. Décès par drone offensif Sentinelle, génération 1. Bon, la colonie est attaquée. Certes. Et recharge tes munitions, toi. On va se mettre là. Nos trucs, on va se refaire des munitions. Ça se recharge hyper vite, enfin ça se répare hyper vite. Ok, moins une. Plus que beaucoup trop. T'es là, toi. Ok, deux. Où sont les autres? Où sont les autres, là? Wow. Oh, merci, le lance-flamme, c'est non. Ok. Elles sont où?
3 par là. Ils sont en train de tirer sur des trucs. Tant qu'on recharge, elle la répare. J'en peux plus, j'en peux plus. Au secours. On va se remettre là, on était bien. Pardon, je vous ai toussé au micro, pas cool. Le bouclier veut pas se recharger. Bon, ça c'est la raffinerie, rien à voir. Si ça y est, il se recharge. Ok, on sort. Une. Elle est où ? Elle est là. Elle nous suit peut-être. Elle est coincée dans le truc. Je ne sais pas. Elle est où ? Elle c'est pas à toi qu'on voulait parler. Bon, moi je faisais ça pour signaler la colonie, non. Je faisais ça pour déclencher un marcheur, mais... Ah. Toi tu veux nous parler, gna. Accepter les remerciements. On va peut-être aider les colons. Devenez superviseur de la colonie. On va pouvoir devenir superviseur de la colonie d'un joueur, si. Non. Bah les marcheurs, ouais, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'ailleurs ? Bon, écoutez. Expédition. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire là ? Rechercher, fabriquer explosifs liquides. Plein de composants artisanaux. Plan des gants de protection. Créer un souvenir de conquête. Créer le souvenir de conquête, ça on peut peut-être le faire tout de suite. Il est là, souvenir de l'océan, non. Attendez. Souvenir de conquête, on a ce qu'il faut. Retourner dans l'espace. Dit tab puis E sur le souvenir. Il est où? Il est là.
terminer le rituel avec les propulseurs. L'objet a été trouvé. Ok. On veut nous parler. Sous-programme voyageur, statut de mémoire écrasé. Rupture de la réalité détectée. Une machine qui a tout balayé sur son passage à travers la galaxie, inarrêtable, inéluctable, plus rien qu'un souvenir à présent. Absorbez le souvenir. Le mégalithe colossal flotte devant moi, d'autant plus surréaliste qu'il a été arraché au contexte planétaire qui l'abritait autrefois. Je me sens confronté à toutes les mains qui ont touché sa pierre, à tous les êtres qui l'ont façonné, qui se sont tenus devant lui. Tous les destins que cette pierre avait vus croître puis déchoir tandis qu'elle seule persistait. Et la voici à présent, elle-même réduite à l'état de souvenir arraché à sa réalité, à la dérive dans l'espace. Sans limite. Ça c'est fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça du coup ? Rien. Rien de rien. Souvenir des eaux. Nouvelle recette, il nous faudrait du cobalt ionisé, on peut le faire je crois. Attendez, on va le construire tout de suite. Souvenir des eaux, il nous faut 33 cobalt ionisé. Tiens, hop, hop. Du cobalt, on en a, je sais pas où. Cobalt, ici. 33 cobalt ionisé, ça va aller vite. Okay. Souvenir des eaux donc. Hop. Le souvenir des eaux, pareil, on peut révéler le souvenir. Activer les propulseurs. On a trouvé ça, la tombe du roi de l'océan. Incroyable. Sous-programme voyageur, statut de la mémoire corrompue, diagnostic atlas, conflit d'itération possible. Renaissance, mort, extinction. Toute vie n'est qu'un écho avant la poussière et la décomposition. Je ne peux m'empêcher de rester bouche bée face à la taille du titan qui abrite ce souvenir. Illusion ou pas, je suis content qu'il n'y ait que des os. Alors que ma surprise s'estompe, je me demande pourquoi cette créature est-elle morte? Pourquoi ne pas avoir choisi de se souvenir d'elle-même, de se souvenir d'elle dans toute la beauté de la vie? Qu'est-ce qui a bien pu tuer un tel être? Mais les ossements ne répondent pas à mes questions, ils existent, rien de plus. Vert profond. Ok. Nouvelle recette disponible, vert profond. Donc ça c'était quoi? C'était l'étape 4. Souvenir du néant. On va essayer de le construire aussi, on aura fait tous les souvenirs du coup. Souvenir du néant, voilà. On révèle. Se mettre par là. Ok. Bon, les souvenirs, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, visiblement. Hop. Sous-programme voyageur, statut de la mémoire ouverte, diagnostic à cela, tolérance d'anomalie dépassée. Tout ce qui vit boit la même eau. Absorber le souvenir. Le souvenir me saisit immédiatement. L'œil est une gueule que je ne peux pas détourner et je ne peux pas détourner le regard. Je suis au plus profond, je sais au plus profond de moi que si je ferme les yeux, je ne les réouvrirai pas. Sa vision fouille en moi. Il est en colère, se contorsionne, il a peur.
Je croise son regard, une éternité passe. Je le sens cligner de l'œil. Je suis libre. A vu le dernier souvenir. On va récupérer donc ça. Récompense exit x 512. Donc on a fait. Pardon, on a fait tous les souvenirs. Et la phase 2, elle est terminée également. Phase 1. A appris 16 mots. Ok. Retournez voir l'Atlas. Ok. Peut-être que ça, on pourrait le faire vite. Retournez voir l'Atlas. Est-ce qu'il est loin ? 1, 2 sauts. Ah non, il est juste là. Ça va, ce sera rapide. Oui, au final, pourquoi s'embêter à les faire dans l'ordre, hein ? On peut aussi faire les étapes dans le désordre si ça va plus vite. Allez, allez. Bon, on va plus loin que d'habitude. Ils sont sympas de faire dans le réalisme. Mais il y a un moment où on voudrait arriver quand même.
Bon, je crois que c'est reparti pour le chargement infini. On va faire planter le jeu. On revient tout de suite. Comme d'hab, j'irai. Compliqué la session aujourd'hui. Bon, hop, ça c'est fait. On revient. Ah, les enfoirés, ils font une mise à jour, c'est ce qui a fait planter le jeu. Très bien, bon, bah écoutez, on va couper l'épisode ici.